Buffy es el rey de La Habana. ¿Cómo? Bueno. Rey de La Habana. Man, oublie ça la plage. C'est plein de touristes en plus. On se croira à Pointe-Calumet. Au Beach Club. Loin les douchebags. Tout le monde à Cuba me dit que j'ai l'air d'un Cubain. Fait que les filles veulent pas me parler. Donc c'est important d'avoir des accessoires. Un iPhone 6, ils n'ont jamais vu ça. Cigarette électronique, ils n'ont jamais vu ça. Mes sandales spéciales, ils n'ont jamais vu ça. Et l'accessoire le plus important, un blanc. Comme ça, ils savent que je suis pas cubain, pas en doute. Cuba! Mesdemoiselles, quand vous allez à la plage ou à la piscine et que vous avez des faux cheveux, Habano Central, 10 dollars coke total, and you give to you, regalo, Magnum condom. Amigo, Magnum. It's for you, no. Dos Magnum. En Canada es muy bonito, amigo. Yo tengo. ¿Tú tengo Magnum? La negociación es muy difícil con tu amigo. No, cero, cero del tiempo, 30. Amigo, amigo, 30 pesos, amigo. Se me queda a mí aquí, mira, aquí. ¿Usted se lo quiere? Yo te amo. ¿Quién es la que está hablando con él? Amigo, me dan 3 pesos. Amigo, me dan 3 pesos. Let's go, let's go. 5 pesos. Amigo, me dan 3 pesos. Es bueno, amigo. ¿Dónde es tu corazón, amigo? Et à La Havane, on fait comme les gens qui habitent à La Havane. On mange comme les gens. On fait l'épicerie comme les gens qui habitent à La Havane. Ça a l'air appétissant. L'odeur qui se dégage est... J'aimerais dire que c'est appétissant, mais... Check les petits poulets frits ici. Là, c'est dégueulasse, sérieux. Ça a l'air absolument charmant. Regarde les mouches. Et moi, ça fait partie du truc, ça fait partie de l'expérience. Ça vient comme un peu rehausser le goût. Tu sais, on va aller s'empoisonner ailleurs en place. Viens. Moi, là, si c'est pas un, si ça vient pas de la mer, ou si c'est pas un légume, ça rentre pas dans ma bouche. Je me demande bien quoi d'autre qui rentre dans ta bouche. Aujourd'hui, on est dans un petit restaurant privé à La Havane. Je pense que je vais me commander un poulet. Mais pas n'importe quel poulet, je vais me commander ce poulet. Yeah. Quoi, Morello, me dit que era? Dans mon assiette, dans 15 minutes. Bien frit, avec une sauce. Quoi d'être? Mange juste de l'ail et du citron. 13 dollars. Hein? 13 dollars. 13 dollars. Je vais les laisser manger avant, au cas où il y a du poison. Comme ça, je le saurai, mais... Je suis pas Yo, you're lined up, man. Sois généreux, man. Back up. Visite culturelle. Let's go. C'est important de faire des visites culturelles quand t'es à La Havane. Ici, on est perdu. On est, j'ai aucune idée où est-ce qu'on est. On est dans l'ambassade de la Russie. Tu vois en haut là? C'est là qu'ils étaient parkés les missiles. Back in the days. On est à l'ambassade du Liban. Walid, welcome home. Pita, du taboulé, hamdoulilay. C'est beau, c'est propre. Je veux dire, si jamais il arriverait quelque chose ici, puis qu'on est pogné, man, tu peux venir ici, man, yeah. À la maison. Hello, Wakba. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est devant l'ambassade haïtienne. Ça passe ma boulet. Ma boulet piti. L'entrée, quand tu vois, l'entrée mérite d'être faite, un peu comme en Haïti. It feels like home. Il manque juste une petite odeur de griot. Puis ce serait ça net. Goofy is my teacher. Okay, I am learning
every day I learn something. The titty is a new word for me. Titties. Tits. D-T-F. Down to fuck. Down to fuck. I learned this year about Goofy. Donc là, on est toujours à La Havane. On est dans une forteresse quelconque. Morrow, je pense. Ce sont les missiles nucléaires intercontinentales que les Russes ont parkés là. Ils sont jamais venus les chercher. That's some bullshit. Pero todo el mundo te conoce. ¿Qué? ¿Qué mundo? Todo el mundo. ¿Mundo où? Todo el mundo te conoce. ¿Qué? ¿Por qué? Yo pregunto a Buffy, sí conozco. Yo pregunto a Buffy, sí conozco. I'm just a regular guy. Regular hombre. Regular hombre. Hombre magnífico. Tú.